Bonjour, c'est Lynn. On est le 1er janvier 2019. Alors, bonne année à tous. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur mon inventaire. Il est assez... il y a beaucoup de pièces, alors j'ai décidé de le diviser en parties thématiques. Alors, ma première partie, c'est tous mes projets qui ne sont pas commencés. Mon inventaire, ça comprend seulement les projets non commencés. Alors, je commence par les projets qui comprennent plusieurs images dans le même projet. Alors, mon premier projet, les quatre hiboux. Alors, c'est une commande, chaque panneau mesure 15,5 par 38 cm. C'est un rond, c'est commandé chez New Frog. Très beau. Alors, le prochain projet, c'est peut-être être obligé d'aller un peu plus loin. Parce que je pense pas que vous voyez complètement. Non, mais je vais le. Je vais juste le faire défiler un peu. Ça. Puis. Oh. Ceci. Alors, c'est les animaux safari. Trois panneaux. Panneau central mesure 40,5 par 38,25. Puis les deux panneaux de chaque côté 20,5 par 38,25. Commandé chez New Frog, c'est un rond. Ensuite, dans le même sujet, ok, ça, alors, c'est les animaux, la savane, 34 par 38, le panneau du centre, puis 16,5 par 38, les deux panneaux de chaque côté. Un rond chez New Frog. Celui-ci, je l'ai vu terminé, il était magnifique. Alors, 4 panneaux chez New Frog, 16 par 33,5 chaque panneau. Un rond aussi. Prochain. Alors, un dragon, 5 panneaux. Et il va être pas mal beau. Alors, là, les 5 panneaux, ils mesurent tous la même grandeur. Le panneau du centre mesure 38 par 15. Deux panneaux de chaque côté, 29 par 15. Les deux panneaux à l'extrême, 21,5 par 15. Alors, toute la même largeur. Je vais
OK. Prochain. OK, bon. Vous êtes comme moi, on met des projets de côté, on oublie pratiquement qu'on les a. Quand on les a, on va dire, mon Dieu, c'est vrai, j'ai ça, c'est bien beau. Famille de tigres. Chenu Frog, un rond aussi. Des papillons. Cinq panneaux. Celui-là, je l'ai vu fini. Très beau. En passant tous les projets que je vous ai montrés, il y avait toutes les couleurs DMC. J'aime pas les kits où est-ce qu'on n'a pas les couleurs DMC. Alors, un cinq panneaux. Les papillons. Chez New Frog aussi. Un autre, cinq panneaux, mon sous-marin. Allez, il va y avoir beaucoup de noir. New Frog, cinq panneaux. Un, j'ai commandé dernièrement. Des pains. Hein? C'est bizarre, hein? C'est toujours plus beau à la caméra qu'en vrai. Moins pixelisé, pixelated, comme ils disent en anglais. Toujours chez New Frog. Et là, les derniers projets, je vais vous montrer, c'est des carrés. Alors, mais je vais être obligée de vous montrer les petites images. Alors, le premier, je vous montre. C'est un étang avec des signes noirs. Cinq panneaux. Mesure tous 35 pouces, 35 cm de large, excusez-moi. Puis en longueur, 30, 35 et 40 cm. Alors, je vais vous montrer les thumbnails, essayant de vous montrer coller un après l'autre. Pour que vous ayez une idée du résultat fini. Oups, c'est pas évident. Regardez. J'essaye encore. Ça, c'est un projet que j'ai hérité de ma mère. Elle avait commandé des projets. Puis, elle commandait avec des perles rondes et des perles carrées pour finalement découvrir qu'elle n'aimait pas ça, les perles carrées. Fait que j'ai hérité de ces perles carrées. Un autre projet. Trois panneaux. Ils mesurent 50 cm. Panneau du centre, 40. Les deux panneaux de chaque côté, 20. Alors, je vais essayer de vous montrer les thumbnails aussi. Quand même beaucoup de couleurs. OK. C'est jamais évident avec les petites images. Si on peut focusser. Et dernier projet. Cinq panneaux. Qui est quand même assez grand.
Alors, mesure 30 cm de large chacun, 60, 70 et 80 cm de long. Alors, je vais essayer. Oh! Attendez, donnez-moi quelques minutes. Juste ça. Ça. Et il y a beaucoup de couleurs. Mais c'est toutes des couleurs rosées, pourpre. Ça. Ça. OK. Et. Alors, je pense que ça va être plus facile si j'apporte. Oups, excusez. Le. Alors. Hop. OK. On va mettre un petit peu. Alors, océan. Et il y a quand même beaucoup de couleurs. C'est un carré. Alors, c'est ça mon inventaire de projet avec plusieurs images. Je vais vous refaire une vidéo, mais le reste de mon inventaire va venir probablement en deux autres parties. Je ne sais pas quand je vais vous faire ça. Parce que demain, j'attends un colis de Diamond Art Club. Ça a été assez long à cause du temps des fêtes. Alors, je vous fais un unboxing. Puis, j'attends un autre colis aussi de Poste Canada. Mais comme vous savez, pour les Canadiens en ligne, la livraison des colis de Poste Canada est toujours incertaine. On sait qu'on va le savoir, mais on ne sait pas quand. Alors, je vous souhaite une bonne année encore. Puis, une bonne journée. Au revoir.